alaga umba ténèbres qui alaga fa lumière ra fa nour ra ra sur la guinée qui sont doué yani guinée ra le ne boyema alors l'on y monte lui fire na ra yoma wona utiliser centan ra kra ya roma quoi mere woyi élection conti woy la juste lu dans les résultats tungo wa falsifie parce que quoi mere na wona ni la finira mou fa fait progressivement à la connaissance nan so woyira ya mi fore na na la guinée finira guinée nan na akumira kon mou fa fait loni ndali bi na gambir na duniya l'islam nan na ngira kan nam bela sauma na kan bela sauma wota nam men ge choisi fe depuis ala na kan dine da men ge kobi resulta na kan na mi wa masara wule ku muye ku wodo mi re dema kon hala tin tun na berlina ma bulu ni gari mu fe ra ma mu sika ma mekine fe na kan baro bu ko bi ala na sala dine da fe for 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 ineki dimu folo ko to dimu folo ko se couture ya tres se couture gili rene di koro fi di mosque fore na yen se managa tedo ko tan koro mere ka wuma sarama o gal lo ni di don roti di nan nan tan yire don roti di nana utiliser fek don roti di keme keme nan na uta nira won wo yete toro won wo bon se toro won nyama ni toro qualité parce que te amora fa wuma qualité fi asu mane wo ira parce que otana menge do ma koro mi na menge do kami wa ko fi da ba ma e do ko mane alko a wa ko fi gara ba na di mi na kan ke na ka guna e kam di le kon wo yile nde na ra so ko me galati vraiment la vraie première dame gina nga ka me geniri wa ko lo a ka ka me na geniri e ba tu ko ne geni wo ma la wo ma nya ku isu ma wo ma la wa fi ra khri wa so wo ira fi ira kon galati ara nan na gine da ana ka ku isi da atanan tam fanda ana kan so kun tanira na utiliser fa kraya na ngoma ma utiliser fa kraya keme fini nga ngoma di na utiliser te dina l'islam kraya na ngoma kala fe to goro ya ko parce que na fa l'islam bir baragi donc te mu ndala mu ntam fa na yagi ma gi fe forier ya ti be wona ke to yenge fe ki gi fe forier be if i ne fanta forin tan ya ti be donc kere ma so kon ku ye nara kon won sika mama ki ne won fe na ma han wo yo mama ler na kan fa wo mo group wa compara ma menine awo ye tera perti wo ye tera bertri wo fuyante tongo wo do ko ri kuma wo me re tongo ne re musuma e musalima e mu ala kolon e mu annabi kolon e nu gule nan tara wo wule patu wo wule tantu alo wule nan wodara wo no sentane servi alo sentane nan wodara nta ma simma ube ala ton tandara na kindus ka fa hakira ya kuma fie fie ka kuma kalati amani mere na bilan fora amuma ni mane ha alati ife feraba fi mo ala safari sentane na safari parce que na fe fini na otan to bar sentane sa o gbe fari sentane ha no woma dira kono mo bar na to folo wo yo mo den daga manaki mi fin de bar na to folo donc musa ma mo ko li nek ne ha mi parce que na sali wo sera ke ba mutan na sali wo sentane sera ke ba ne ga bir sentane sera ke ba fe la gine menge margi ala fuy tanga mo la gine dadi ana kuisi ala ko bir mba sutura ala ko bir na yerbi ne ga bir na filira wono ndi kolo ndi fe kuy wono ko non di ma ala ko wore yerbi a ko wore yerbi ko a ko wore yerbi yani a ko wore yerbi gesege if ndi tume di ref ndi kamera ref ndi gine ref ndi siyo ref ndi dali yora if ndi nyine ref ndi malekera ife fi re kolo e kolo yena ngeni fi ina kolo isa nyitama ido ko mere de ma ala khire yerbi kalinga na ku biem baba ala khire yerbi mi rimu na mo ma non di roma mi rimu na ki mi rimu mo ma non di roma nan dalise la parce que wo ma difference de nan na ki ibn adam nan dalise na difference de na non di mura fam mi rimu ma e fin din dendera e khala reta na sintane nan ni wule la mamuna injustice la mamuna injustice que n'est injustice qu'on a n'est coulé ma bunde fam mi ko yobbe mu la ginera wo mbir nan da gine wo mbir nan be la ginera la gine ka nan da ngima bore da logo ne kay kan tan nan la gine fulu ani man da ngila gine kabirina kana kan yo la gine fulu hala nye sa kan ani man fa da ngila gine kabirina na kinara kono pour le moment o mbara tribi tarabadi depuis ala na ka da gine da wonna di position kiri ngine logo logo ko rufi sa tube logo logo ko rufi sa tube koro mere la gine sourira parce que ne reina ko nyimel kore la menni mi khlamme nan tiri donc koro mere ne la tiri wo yi resultat be nyimane kha alati
Was on a yé. Wapping money. Wonga fera mighty. Ntam, ton never go. Ntam barafala. Na gifa de haliventa. Send another and fame week alpha con the fame week. Give a fore day. Kona mini hay fine. Give an antang. Sabina gifa nana. Donc, wonga ferama. Tous ceux qui sont là, ne vous découragez pas. Les gens se sont battus avant nous. Alpha s'est battu 40 ans. Combat de tortue avec résultat de tortue. Parce que te battre 40 ans et sortir un résultat comme ça pendant 10 ans, même l'eau, impossible. Électricité, ça balance. On va attendre mars, avril, ce qui va se passer. Ce n'est que des faux billets, des planches à billets. Tout ce qu'ils ont dit pour les passeports là, c'est parce que maintenant on leur demande de l'argent ici, de loyer pour payer leurs ambassades. Et leurs fonctionnaires, tout ce qu'il y a, il n'y a pas d'argent. Ce n'est pas par amour pour les Guinéens. Hein? Ils le font. Tout ce qu'ils font, tout est calculé. Donc il faut beaucoup prier, beaucoup jeûner. Le lundi, les jeudis, les trois jours lunaires qui équivaut à un mois de jeûne. À part cela, il y a des jeûnes un sur deux, un jour sur deux. Les jeûnes en continu, il faut éviter. Quand tu jeûnes aujourd'hui, demain tu ne jeûnes pas. Tu jeûnes demain, après demain tu ne jeûnes pas. C'est très très bien. Celles qui veulent maigrir, au lieu de boire des produits pourris, essayez cela. Même temps, vous vous rapprochez de Dieu et vous allez maigrir. Tout est dans l'islam. Tous les combats que vous menez, tout combat, sans Dieu, ça ne marchera pas. C'est moi qui vous le dis. Parce que si tu n'es pas avec Dieu, tu es avec Satan. Il n'y a pas 50 000, c'est les deux là. Et c'est notre ennemi déclaré. Moi, c'est ça ma route, ça sera dans ce sens-là. Donc, les prières de nuit aussi. Cela est valable pour tout le monde, toutes les personnes. Même Elav Seluda Lengyal, c'est valable pour lui, pour sa femme, pour les militants. C'est un long combat. C'est un très très long combat. C'est plus que ça. L'avenir de la Guinée en dépend. Il ne faut pas que les gens vous disent que non, tu sais, ne les écoutez pas. S'ils pensent qu'ils ont gagné, ils n'ont qu'à s'asseoir, croiser les bras. Si aussi vous pensez que vous avez gagné, battez-vous. Nous allons nous battre ici, je vous ai dit. Tout ce qu'on fait ici, ça se répercute sur eux. Remarquez tout ce qui se passe. Il ne faut pas négliger ça. Ceux qui se battaient ici, ils ont fait pour eux. Il ne faut pas que les gens se disent que, ah, les paroles là, tout le temps on parle, ça ne donne rien. Mais il y a des gens qui parlent depuis combien d'années? Ils ont fait pour eux. Nous aussi, on va faire pour nous. Mais ceux-là qui parlaient depuis longtemps, qu'est-ce qui a manqué à leur combat? Qu'est-ce qui a manqué? Tous les combats qu'on a menés en Guinée ou dans le monde, qu'est-ce qui a manqué? Le printemps arabe, qu'est-ce qui a manqué dedans? Vous pensez que c'est le soulèvement populaire, là, se lever, oh, allez-y, crier, casser les trucs? Ça, c'est dépassé, ça. Ça, c'est dépassé. On a fait ça 10 ans, ça, c'est fini. On va le faire ici. Vous allez voir. Progressivement. Donc, tout à l'heure, je vais faire comme la fois dernière. C'est-à-dire, j'ai fait des photos. Il ne faut pas les négliger. Quand je mets des flyers, vous les partagez. Vous avez compris? Parce que la fois dernière, ce que j'ai mis, quand j'ai mis Elhadj Mamadou Selouda Lengyalo, le président élu démocratiquement dans les urnes, ça les a beaucoup énervés. Vous avez vu les commentaires. Si ça n'a pas de signification, si ça ne dérange pas, il ne faut pas insulter, il ne faut pas commenter, ça ne veut rien dire. Le président... Leur président à eux, et le président, selon eux, élu par le peuple, il est à zéro tout rien. Même si on écrit, même si on fait 1 million de partages, même écrire Mali Soussoukou, président de la République de Guinée, qu'est-ce que ça fait de mal? Ça ne fait rien. Ne rigolez pas avec mes publications. Partagez-les. Même si vous pouvez partager la même publication, une personne, tu partages la même publication 50 fois, c'est des clics. Faites comme je vous dis de faire, c'est des clics, ce n'est rien du tout. Maintenant, si les clics là les dérangent, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Donc, ne négligez pas. Et quand on met les photos, vous venez surveiller. Parce que c'est l'image d'une grande personnalité. Celui qui vient insulter dessus, vous venez l'arranger, vous le brossez. S'il n'est pas content, comme c'est un âne, vous lui mettez l'acide dessus. Parce que l'âne, vous savez, l'âne, il faut lui mettre de l'acide. C'est l'animal, l'un des animaux les plus bêtes. Donc, il ne faut pas jouer avec ces choses-là. Quand je mets les photos, ne rigolez pas avec partager, commenter et surveiller les mal-éduqués qui viennent écrire parce qu'ils viennent sur notre territoire. C'est de la légitime défense. Je vous dis, les réseaux sociaux, ce n'est pas la blague.
tous, tout, vous voyez tous les cœurs ont leur signification, partagent, tout, tout a sa signification. C'est l'Africain qui utilise mal parce qu'il ne comprend rien. Et il ne faut pas vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de Guinéens sur les réseaux sociaux. Ne vous dites pas cela. Hein. Non. Chaque personne représente un groupe de la société. C'est un représentant de la société. Chacun de vous, là, vous avez une famille. Vos familles, là, ont des connaissances, ainsi de suite. Sinon, pendant, s'il n'y a pas beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, pourquoi pendant, pour les résultats, ils ont tout bloqué, pourquoi? C'est-à-dire, les gens, là, ces dernières élections, là, nous ont montré beaucoup de choses. Il faut, vous aussi, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Et le côté spirituel, là, ils endorment les gens. Quand tu pries, eux, ils gâtent. Quand tu pries, eux, ils gâtent. Ils gâtent comment? Tous les sacrifices qui se font sur le territoire guinéen, ils le donnent à Shaitan. Ça le renforce, ça lui donne de la force. Eux, Kaseba, Bande Fouriba, l'eau le matin, bah, quoi? Tuer les bœufs au carrefour, tuer les bœufs, quoi. Tout cela, là, ça rentre dans ce tort. Le pain blanc, là, les colas, donner les colas, tout ça, ça rentre dedans. Donc, tout cela joue. Ça endort les gens, c'est-à-dire pour même pas que les gens parlent de cette victoire-là. Ils vont vous dire que, ah, s'il a gagné, pourquoi il n'est pas à Sékou Touré? Hein? Si elle est la première dame, pourquoi il n'est pas à Sékou Touré? Ils n'ont pas envie d'aller à Sékou Touré. Vous savez pourquoi? Parce que Sékou Touré est pourri. Sékou Touré, c'est pourri. Oui, c'est très pourri là-bas. Vous savez pourquoi? Quand Alpha venait d'être élu, pourquoi il ne dormait pas à Sékou Touré? Vous avez oublié ça. Pourquoi il ne dormait pas là-bas? Voilà. Et vous voyez, Sékou Touré est tout Kaloum. Tout Kaloum est fait sur un plan français. Donc, quand moi je vois les Guinéens piailler, oh, la Guinée et la France, Kaloum, c'est un plan français. Ce sont les vieilles villes françaises qui sont comme ça. Donc, c'est la France qui gouverne là où ils sont là. Ils pensent que ce sont eux. C'est-à-dire, quelqu'un fait le plan, il fait le marché, il fait tout. Toi, tu es assis là-bas, que tu es chez toi. Donc, c'est très bien fait que ça se passe de la sorte. Il allait rentrer là-bas, ramasser tout le kata là, toute la poisse de ce poisseux là, katana malarafara. Je n'ai jamais vu un homme politique poisseux comme Alpha Condé. Je n'ai jamais vu un homme politique porte-malheur comme Alpha Condé. Je n'ai jamais vu un homme politique médiocre comme Alpha Condé. Il a tout fait. Il a tout fait, l'argent. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Mais il a été battu dans les urnes. Joué sur le côté ethnique, terrassé, humilié, même dans son fief. Sinon, pourquoi bloquer quelqu'un qui n'a pas de force? C'est le jour-là que je me suis rendu compte. J'ai dit, ouais, le gars-là, il a peur. Jouer sur cette peur-là, c'est des petites personnes. Et ces militants, c'est des âmes. Il faut leur dire que ce sont des âmes. Quand tu suis un maudit, parce qu'Alpha Condé, c'est un politicien maudit. Tu te bats 40 ans. Nous tous, on était dans ça. Et le monsieur, là, on l'aime. S'il ne rentre pas en Guinée, s'il ne fait pas ça, nous-mêmes, on insultait Condé. Pendant mon enfance, quand je vois Condé, je l'insulte à cause de Alpha. Je dis, il est injuste, il est mauvais. Ma petite âme d'enfance, là, l'a soutenu. Mon âme d'adulte, là, va le combattre. Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Et je sais qu'il n'aime pas Dieu. Je sais qu'il n'aime pas l'islam. Je vais le battre avec l'islam. Aidez-moi. Il faut qu'on s'entraide. Ne rigolez pas avec les réseaux sociaux. La rue là est démodée. Elle est dépassée. Elle est dépassée. Laissez tomber ça. Ça, c'est des vieilles choses. On va frapper. C'est ici qu'on va frapper. Toutes les publications que je vais vous partager. Comme je vous l'ai dit, celui qui insulte, vous le lavez propre. Vous venez avec l'acide, vous mettez sur. Ce sont des armes. Ce sont des vraies armes. Alpha 000, plusieurs zéros, c'est un zéro, accompagné de zéro et de médiocres. C'est des médiocres. Ils sont entre eux là-bas. Ils couchent entre eux, des hommes qui couchent entre eux, au sommet de l'État. Bon Dieu de bon sang, on va aller où? Même les imams sont dans le coup. L'affaire de résultats là, j'ai la liste. Je dois faire un direct pour les témoignages. Tous ceux qui ont des preuves pour ce truc-là, la falsification, les Yamfanteya, le corps fait qu'il y a eu dans cette histoire d'élection. Tous ceux qui ont des preuves, je lance un appel. À visage découvert ou pas découvert, vous allez venir faire des témoignages ici. Inch'Allah, on va se battre dans ce sens-là aussi.
N'écoutez personne, même si on vous dit que vous perdez votre temps. Quelqu'un qui perd son temps, mais laisse-le perdre son temps. Quelqu'un qui est fou, mais laisse-le dans sa folie. Qu'est-ce que sa folie te dérange? En quoi sa folie te dérange? Donc laissez-nous dans notre folie. Comme vous, vous êtes sur la, les vraies choses, allez-y là-bas. Les gens qui ne prient pas. Le monsieur a dit hier, monsieur Fakoli Doumbouya, qu'est-ce qu'il a dit hier? Qu'on les a bloqués à Tokounou, pourquoi? Il dit, madame, vous avez entendu, hier, je n'ai rien dit, j'étais assise, je l'écoutais, parce que je ne voulais pas le couper. Que à Tokounou, les gens dorment avec les serpents. L'avant-dernière vidéo, qu'est-ce que je vous ai dit par rapport aux serpents? Toute la Guinée, il y a plusieurs formes de serpents. Il y a les serpents pour les Brésiliennes, là, il y a ça à côté. Oui, les Rianas là même, tout le monde, et tous dorment avec les serpents. Il y a les gros serpents qui se couchent sur eux, il y a ça aussi. Les chanteurs, il y en a en Guinée là-bas, il y en a partout dans le monde entier. Il y a des chanteurs guinéens, les serpents, ils se mêlent. Après, ils rentrent. Eux, ils pensent que c'est Dieu. Ça, c'est pas Dieu. Tout ce qui est serpent, c'est pas Dieu. Je vous le dis tout de suite. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Pour vous dire que les Guinéens, c'est des gens... c'est incroyable. Ils mélangent l'islam et la tradition. Ça n'a rien à voir. Quand tu rêves de serpent, dans la Bible et le Coran, le serpent, c'est le diable. Le Guinéen, quand tu rêves de serpent, c'est la grossesse. Donc, nous, les Guinéens, là, on a mis les démons au monde. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, il faut dissocier les deux, là. Ça n'a rien à voir. Le serpent, c'est le démon. Mais ils vous disent que quand tu rêves de serpent, c'est l'enfant, pour ne pas que tu aies peur du démon, pour que tu lui donnes accès. Maintenant, quand le serpent veut venir rentrer dans ton organe génital, tu ouvres. Il faut les combattre. Il veut rentrer, tu le pousses, tu le tires. Au nom d'Allah, tu le... La majeure partie des femmes ont ça en Guinée. Ils pensent que c'est des guerres, c'est des si. C'est tout cela qui les fatigue. Et ça part sur les enfants. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ce qui donne la mauvaise foi, la mauvaise volonté à ce peuple. Ce petit côté satanique, quelle que soit leur bonne foi, c'est là. Ils mélangent. Ce sont ces trucs-là qu'ils utilisent contre l'UFDG. Parce que dans leur tête, l'UFDG, c'est l'islam. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Eux, ils prient. Même s'ils ne sont pas islam, mais ils prient quand même. Mais Alpha, c'est un satanique. Il est dans tous les grands groupes du monde. C'est moi qui te le dis. Tous ceux qui sont avec Alpha. Si tu me regardes, toi qui es là, tu me regardes. Tu aimes Alpha au fond de toi. Tu l'aimes. Je ne dis pas que tu aimes le RPG. Le RPG, ça c'est un autre problème. Tu aimes Alpha au fond de toi. Wallahi billahi, tu as un côté satanique très développé. On en reparlera. Oui. Les femmes qui rêvent des présidents, des ministres, oh, c'est le bonheur. Tu rêves de quelqu'un comme Alpha, c'est le bonheur. Hein? Ça, c'est des trucs, toutes ces choses-là, pour vous faire, pour ouvrir la porte à Satan. C'est surtout les femmes qui vivent cela. Donc, pour casser la peur. Les sorciers, je vous ai vu, je vous connais, on est dessus. Ce n'est pas une petite affaire, c'est une très très vieille affaire, très très corsée. Mais avec la volonté de vous tous, votre âme connectée à mon âme, ça va faire un gros groupe. Nous aussi, on va faire notre groupe anti-sorcier, parce qu'ils font ça depuis longtemps. C'est pourquoi ils disent jamais un peu au pouvoir. Comment quelqu'un peut dire, toi tu ne vas jamais te marier? Comment il sait ça? Non, toi tu n'auras jamais d'enfant, ne te fatigue même pas. Comment il sait ça? Le peuple n'aura jamais le pouvoir en Guinée. Comment ils savent ça? Le peuple n'aura jamais le pouvoir en Guinée. Mais il gagne dans les urnes. C'est paradoxal, c'est bizarre. Donc, c'est la sorcellerie. C'est moi qui vous dis. Les Guinéens le savent. Ils ont embobiné même les imams dedans. Quand vous voyez les gens ici, ils insultent les imams. C'est pas pour rien. Hein? Sinon, depuis que la Guinée est Guinée, ça ne s'est pas passé ou bien. Voilà. Ah ouais, il ne faut pas les insulter. Il faut prier. Purifier vos âmes. Faites cela. C'est l'islam qui est plus fort que toutes les connaissances du monde. C'est Dieu qui a tout créé. Même Satan, c'est Dieu qui l'a créé. Donc, avec le nom de Dieu, vous pouvez combattre ces gens-là. Ça, c'est des maudits. Celui qui suit Iblis, tu es maudit. Parce que Iblis est maudit. Ce sont les adeptes d'Iblis. Ils couchent avec Iblis. Iblis fait les deux.
Shaitan fait homme, femme, il fait les deux. Parce que tout ce que Dieu a fait, il veut montrer qu'il peut mieux faire. Voilà. Donc, Inch'Allah, à très très bientôt.